pensais que Claude l'avait envoyé, mais je l'ai envoyé à Claude. Je ne sais pas pourquoi il voulait m'envoyer une poche. Ah non, c'est le gâteau de Noël au rhum, ça. Au rhum. Sérieux. Au rhum. Non, c'est comment ça? Une à deux bouteilles de rhum. Non, tu étais déjà pété avant de commencer. Non, mais... Ils disent pas de le voir, là. Ils disent de mettre à la serre. Alors, une à deux bouteilles de rhum. Une tasse de beurre. Une cuillère à thé de sucre, deux œufs de calibre gros, une tasse de fruits secs, deux cuillères à thé de jus de citron, une tasse de noix hachées, une tasse de cassonade. D'abord, goûtez au rhum qui doit être assez confortant, presque moelleux et très bon. Prenez un grand bol à mélanger, des tasses et des cuillères à mesurer. Ouh là, Dieu, c'est la combien. Dieu sait la combien. Goûtez encore au rhum. Ouais, après, il est pété. On sait ce qu'il va faire. Il doit être juste à point pour vous assurer qu'il s'agit d'un rhum de qualité supérieure. Versez-en une mesure dans un verre. Sirotez. Alors là, pété. Répétez si nécessaire. Avec un malaxeur électrique, battez le beurre dans un grand bol de consistance onctueuse. Ajoutez une cuillère de sucre, de sucre, Oui, et continuez à battre. Oui, mais n'oublie pas que parce que là, tu as déjà deux verres de rhum de prix, là. Ouais. Fait faut que tu pétais la entre-temps, t'es l'accent. Histoire. Tu dis comment le CH de voir? Ah oui, histoire de voir si le rhum est bon. De voir si. Ah oui, parce qu'il est tordu. Oui, oui, ouais, d'accord. Oui. Laissez-y. un autre verre. Oui, alors cette fois, c'est fini. Chi, il faut vraiment ouvrir la deuxième bouteille. Ajoutez. Ça devient difficile alors. Attention, vous êtes sérieux. Ajoutez les yeux. Mais je rigole, je ne peux pas. Les yeux. Ah oui, j'ai compris. Et de tasse. Oui. De fouchèche. Oui, et de fouchèche. Et. Chassé. Il y a CH, chéché. Chéché, parce que quand tu commences à être chaud, tu es chéché. Et à buter le mélange jusqu'à ce qu'il monte. Ouais, d'accord, il va monter, toi. Il faut parler avec l'accent d'un gars chaud. Si que les fruits restent pris dans les batteux. Je ne sais pas ce que c'est les batteux. C'est le malaxeur. Ah, le malaxeur. Mais c'est parce que là, tu commences à être chaud, là. Oui, oui. Shorté, tournevich. Tournevich. Ah ouais, c'est marqué. Encore une petite gorgée de rhum. Oh là là, ça vient sérieux. Vous chachurez. Hein? Oui, chachurez. Ah ouais, toi. De son velouté. Et j'ai donné du courage pour continuer. Ensuite. Tamisez deux tasses de sel et du poivre, ou du poivre, ou les deux, chez et comme foufoulé. Tamisez un, deux de jus de citron. Enchâssez. Tu commences à crumber, c'est comme ça vient grave. Hein? Enchâchez le beurre haché. Le beurre haché et les noix fondues. Ajoutez une cuillère de thé de sucre blanc, brun ou vert. Qu'est-ce qu'on chez un fou? Graissez le pot et allumez le moule à gâteau, même si votre cadeau n'est pas un gâteau, un gâteau. Sachez-le tout au four. Chifou, n'aimez pas le résultat,
Conchutez, conchoulez, vous. On fout disant que votre room n'était pas de qualité supérieure. Joyeux Noël. Non, c'est parce que comme un gars chaud, il est mordi.